Monsieur Cyr, je vous amène consulter une astrologue bien connue, Madame Jocelyne Savard, dite Jojo. Celle-ci demande à Monsieur Cyr de diviser les cartes en trois parties égales. Je veux rassasier ma curiosité. Je désire connaître ce que les cartes révéleront sur l'avenir sentimental de Michel. Monsieur Lassowef, Michel, il a Jupiter, le nœud lunaire et Neptune en scorpion. Faut le faire. Jojo, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça donne beaucoup de perspectives. Ça veut dire que le partenaire amoureux qui partage ses moments intimes avec toi est très, très gâté. C'est extrêmement généreux, puis tu recherches beaucoup le bonheur du partenaire. Mmh. Écoute, c'est une bonne affaire à dire. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, c'est un bon parti. Oui, définitivement, un très bon parti. Et lui, qu'est-ce qu'il aime, c'est être fasciné. Il aime ça jouer. Il aime ça la tendresse. Il aime ça faire des folies. Il aime ça peut-être faire l'amour sur un divan ou en arrière d'une statue ou de courir dans les bois, se rouler dans les feuilles d'automne. C'est ça qu'il aime. Il aime pas les affaires ennuyeuses. Original, bon, pas compliqué, là. Bon. La fille, tu la vois comment? Je la vois très drôle. Je pense que contrairement à ce que tu as aspiré avant, tu vas finalement rencontrer quelqu'un qui va te faire rigoler. Ça va être vraiment l'indice premier. Elle va te faire rire, puis elle va réagir d'une façon très spontanée à une folie que tu vas lui faire. Est-ce que tu aimerais savoir, selon ma perception, selon le feeling que j'ai de tout ça ici, à peu près quand ça va commencer à se dérouler, ça? Pour ce faire, Jojo nous demande de nous laisser emporter par l'énergie de la pièce, de la laisser agir afin de connaître la réponse tant attendue. Je suis convaincue, M. Sauvès, que cette année, notre petit poisson scorpion, Michel, il va trouver son ange. Je suis absolument convaincue de ça. C'est une bonne nouvelle. En plus de prédire à Michel un avenir heureux, Jojo le guide également vers les signes astrologiques qui lui seront bénéfiques. Et le cancer? Très pour toi. T'avais vu que Poisson, Cancer, Roméo et Juliette, c'était Poisson, Cancer. Très, très bon pour lui. Pour terminer, Jojo lui offre un dépliant qui porte sa griffe afin de lui donner une petite idée de ce qui va se passer ce mois-ci. Je vous remercie beaucoup. Monsieur SOS, vous êtes magique. Continuez votre magie, c'est merveilleux. OK? Au plaisir.